Praise the Lord. Good morning, church. Wherever you are watching around the world, welcome to this Sunday's church experience broadcast from Grace Evangel Mission. On behalf of the Bishop JC Yokose, you're all welcome. And wherever you are, just open up your hearts as we come together to seek the face of God and trust that God will richly bless you. Let's say a word of prayer. Lord Jesus, we honor you and we thank you because you were faithful, you were good. This is the day you have made. We will rejoice and be glad in it. We ask God that your spirit will move round about the airwaves and minister to your people wherever they are, that our worship, our service unto you be pleasing, be acceptable in your sight, and that you honor us with your presence. Bless your people, reach out to them where they are, heal the hurting, and save the oppressed. We honor you and we bless you. For in Jesus' mighty name we have prayed.
Hallelujah. Praise the Lord. We thank the Lord for another wonderful Sunday morning. Nous remercions le Seigneur pour un matin de dimanche spécial. Last Sunday we celebrated the resurrection of our Lord Jesus Christ. Le dimanche passé nous avons célébré la résurrection de notre Seigneur Jésus. And today we continue with our service. Et aujourd'hui nous continuons avec notre culte. And we welcome all our brothers and sisters from all the regions who are already tuned in and receiving these messages this morning. Nous souhaitons bienvenue à nos frères partout dans le monde qui écoutent ce message. And I believe that God has something to say to us today. Et je crois que Dieu a quelque chose à nous dire ce matin. And before we get into the message, avant que nous arrivions au culte, au message, I want to encourage all of you to be in prayer mood all this period. Et je veux vous encourager que vous soyez dans l'humeur de prière dans toute cette période. Of sit at home. Et à cette période de confinement. And continue to observe all the guidelines. Et continue par suivre les précautions et les règlements. By the grace of God. Par la grâce de Dieu. Very soon. Dans peu de temps. We will celebrate our victory. Nous allons célébrer notre victoire. I know things are very hard for many at this time. Je sais que les choses sont tellement difficiles pour nous ce temps. And for those of you who are in Lagos in particular. Et surtout pour ceux qui sont à Lagos en particulier. Please feel free to call the church office if there is any need for us to give you any special attention. Appelez le bureau de l'église s'il y a quelque chose que vous voulez ou bien vous voulez une attention très spéciale. You can reach your regional leaders in the same vein. If you need any support from them, they will arrange to meet that need. Et vous pouvez contacter vos coordinateurs régionaux si vous avez besoin d'une ou bien d'une aide, il va vous donner ça. This week you'll be receiving new prayer points. And I hope all of you will join in families to pray together and seek the face of the Almighty God, because on our knees we will always conquer. Cette semaine nous aurons des requêtes nouvelles pour notre prière dans votre famille, parce que je sais que sur nos genoux le Seigneur va intervenir en nos cas. This Sunday morning I will be speaking to us on how to know God. Ce matin, je vais vous parler à comment savoir Dieu. Most of the problems besetting our world today is lack of knowledge of the Holy One. Bien de problèmes qui dérangent notre monde aujourd'hui, c'est le manque de la connaissance de Dieu. And as I've always told you on this platform, comme je vous dis toujours sur ce média, that we allow the Bible to speak to us. Que nous permettons à la Bible de nous parler. Because it is the final authority for all believers in all matters of faith and conduct. C'est parce que c'est l'autorité finale pour tous les croyants dans tout domaine et dans notre condition. So many people have forgotten about God. Bien de gens ont oublié Dieu. And many young people are raised today without the knowledge of the Holy One. Et bien de jeunes ont été formés aujourd'hui sans la connaissance de Dieu Saint. So in every country you look to, even in this very hour, you see that this lack of knowledge of God has created a lot of confusion, that man is no longer able to handle what is going on around him. Et dans le monde, mais aujourd'hui, vous voyez que ce manque de connaissance de Dieu a amené la confusion, et bien que les gens ne savent plus là où ils vont, et tout le monde est dans une confusion. So today's message is calling everyone back to God. Ce message d'aujourd'hui nous appelle tous à Dieu. Who are already following to renew their commitments to this great God. Et ceux qui suivent déjà, qu'ils renouvellent leur communion avec ce Dieu. Let us listen to the word of God. Écoutons la parole du Seigneur. Jeremiah chapter 9 from verse 23 to 24. Jérémie chapitre 9 verset 23 à 24. This is what the Lord says. Voici ce que le Seigneur dit.
Let not the wise boast of their wisdom. Que le sage ne se glorifie pas dans sa sagesse. Or the strong boast of their strength. Ou que le fort ne se glorifie pas dans sa force. Or the rich boast of their riches. Que le riche ne se glorifie pas dans sa richesse. But let the one who boasts boast about this. Mais que celui qui veut se glorifier se glorifie d'avoir de l'intelligence. That they have understanding. D'avoir l'intelligence. To know me. De, et de me connaître. That I am the Lord. De savoir que je suis l'Éternel. Who exercises kindness. Qui exerce la bonté. Justice. Le droit. And righteousness. Et la justice de la terre. On earth. De la terre. For in these, car c'est à cela I delight, que je prends plaisir, declares the Lord. Dit l'Éternel. God himself is saying to us, Dieu lui-même nous dit, we should not boast about all the things that we have achieved in our lives. Que nous ne glorifions pas dans tout ce que nous avons achevé dans notre today, vie. Today, nations boast because of their wealth. Aujourd'hui, les nations se glorifient dans leur richesse. And they bully others. Et ils tabassent l'autre. Because of their military might. Peut-être à cause de leur force militaire. But God says all of these things are nothing but foolishness. Mais Dieu dit que tout ceci n'est qu'une stupidité. The only thing we should be proud about is that we know God. La seule chose que en quelle nous devons nous glorifier, c'est que nous connaissons Dieu. And then we have et nous aurons la vie éternelle. We will practice justice. Nous allons pratiquer la justice en Dieu. We will practice righteousness. Nous allons pratiquer la droiture en Dieu. This is what God wants all humanity to come back to. C'est ce que Dieu veut que toute l'humanité revienne faire. But today, what do we see? Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? We see men revel in knowledge, science, materialism, supremacy. Nous voyons que les gens se glorifient dans la connaissance, dans les choses matérielles, dans la suprématie et dans toutes choses. And our knowledge has led us to a lot of deceits. Et notre connaissance nous a amené dans bien de déceptions. We are believed to be guided by science alone without God. Nous croyons que la science peut nous guider sans Dieu. And science is telling us today. Et la science nous dit aujourd'hui that there is no God. Qu'il n'y a pas de Dieu. That in time past, avec le temps passé, all matter of universe, tout ce qui est dans l'univers, was compressed, a été pressé, into a point of tiny density, a été condensé dans une chose de densité. And all of a sudden, et soudainement, there was an explosion in the universe. Il y avait une explosion dans l'univers. And the heavens and the earth and everything we see today. Et que le ciel, la terre, tout a été apparu. Appeared. A été apparu. Who brought this explosion? Qui a amené cette explosion? They cannot explain. Il ne peut pas expliquer ça. Something is missing. Il y a quelque chose qui manque. The God factor. C'est le Dieu. God is the creator of the heavens and the earth. Dieu est le créateur du ciel et de la terre. The earth did not just appear by a certain cataclysm. La terre ne s'est pas apparue en n'importe comment. But it appeared because it let there be. Mais il a été apparu parce qu'ils ont in dit qu'il soit. Calm, composed nature. Et dans sa composition, il a été apparu. He declared. Il a déclaré. Let there be. Qu'il en soit. And everything we see today began to appear. Et tout ce que nous voyons aujourd'hui a commencé par apparaître. And because of this missing God factor in our learning. La manque de cet facteur de Dieu dans notre connaissance. Man has drifted a lot. L'homme a été déraillé. And made man the centerpiece of all activities of the universe. Il a mis l'homme comme le centre de tout ce qui est sur l'univers. We set up the standards for ourselves. Nous avons érecté un standard pour nous-mêmes. Standard full of inequity. Standards avec l'iniquité. Standards full of injustice. Standard avec l'injustice. And this has created misery and suffering around the globe. Et ceci a créé de la misère et souffrance partout dans le monde. The pandemic we are faced with today is traceable to some of these
human activity. La pandémie que nous suivons aujourd'hui, c'est quelque chose qui est apparu de ce que des activités de l'homme. But if we look at the word of God, mais si nous voyons dans la parole de Dieu, Romans chapter 1 verse 20. Romains chapitre 1 verset 20. It says, il a dit, for since the creation of the world, depuis la création de la terre, God's invisible qualities, la qualité invisible de Dieu, his eternal power, son pouvoir éternel, and divine nature, et sa nature divine, have been clearly seen, a été clairement vu, being understood from what has been made, bien compris par ce qui a été créé, so that people are without excuse. Pour que les gens ne soient pas avec des excuses. Psalm 19 verses 1 to 4. Psaume 19 verset 1 à 4. It says, ça dit, the heavens, le ciel, tell of the glory of God. Parle de la gloire du Seigneur. The skies display his marvelous craftsmanship. Le ciel montre sa voit sa droiture merveilleuse. Day after day, they continue to speak. De jour au jour, ils continuent pas à parler. Night after night, they continue to make him known. Nuit après nuit, ils commencent par faire des cris. Nature speaks without a sound. La nature parle sans voix. They speak without a word. Ils parlent sans mot. Their voice is silent. Leur voix est tellement silente. In the skies. Dans le ciel. Their message has gone out to all the earth. Leur message a été partout dans le monde. And their words to the ends of the world. Et jusqu'à la fin de la terre. So what does the Bible say? Qu'est-ce que la Bible nous dit? That the creative work of God speaks for itself. Que la créature de Dieu parle de soi. And reveals the creativity and the power and the awesomeness of God. Et révèle le pouvoir de la créativité ou bien de la création et la puissance dans le monde entier. To order the solar system. Et dans le système solaire. And all the galaxies. Et dans toute la galaxie. Everything was made to make this earth habitable by man, because God has pleasure in him. Tout a été créé pour faire que la terre soit inhabitable pour tous les hommes, parce que Dieu prend plaisir en tout ça. So we can see that our knowledge and advancement in science cannot save man. Donc maintenant nous pouvons voir que notre connaissance et notre avancement dans la science ne peut pas nous sauver. Political power cannot save man. Les pouvoirs politiques ne peuvent pas nous sauver. Economic power cannot save man. Les pouvoirs économiques ne peuvent pas nous sauver. Military might cannot save man. La puissance militaire ne peut pas nous sauver. All of these, dans tout ça là, have been brought to a halt. Tout ceci a été amené en soumission. For weeks now. Il y a des semaines maintenant. By one single virus. Par un seul virus. A man should bow before God in repentance today. Et que l'homme soit soumis à Dieu en repentance aujourd'hui. This repentance is going to help us to come back to begin to know him. Cette repentance va nous aider à revenir, à commencer par le connaître de mieux. So having looked at the declaration of God that his desire is for man to know him. Voyant la déclaration de Dieu que son désir est que l'homme le connaisse. And having seen the futility of man's adventure into science without God. Voyant l'inutilité de ce que l'homme, la connaissance de l'homme en science. Can I call all humanity today to come back to God? Est-ce que je peux appeler toute l'humanité de revenir à Dieu? He can be known. Il peut être savoir. He can be experienced. Il peut être expérimenté. And we can discover. Et nous pouvons le découvrir. His plan for humanity. Nous pouvons découvrir son plan pour l'humanité. His guidelines for life. Ça guide pour la vie. So let's quickly take a snapshot of 7 bullet points of what it takes to know God. Voyons les 7 points de ce qu'il faut pour connaître Dieu. Many ask, how can I know God? Bien de gens demandent, comment est-ce que je peux connaître Dieu? Point number 1.
Le premier point. Come to him honestly if you want to know God. Viens à lui en honnêteté si tu veux le connaître. Come down from your high horses. Il faut descendre de la hauteur de là où tu t'es placé. Bow down before him in repentance. Soumets à lui en repentance. With honest heart. Avec un cœur honnête. Let us come to him. Venons à lui. Let's believe his word. Croyons dans sa parole. John chapter 14. Jean 14. Verse 6 says, verset 6 dit. Jesus answered. Jésus a répondu. I am the way. Je suis le chemin. And the truth. La vérité. And the life. Et la vie. No one comes to the Father. Personne ne vient au Père. Except through me. Que par moi. Not one. Pas une personne. The way. Le chemin. The truth. La vérité. God. Dieu has given us that offer. Il nous a donné ce don. On how to cross over from our rebellion and ignorance to discover the pathway to life. Comment traverser de notre rébellion et l'ignorance et venir à Dieu. And in John chapter 1 verse 12 he says. Et Jean chapitre 1 verset 12 dit. Yet to all who did receive him. Et de tous ceux qui l'ont reçu. To those who believe in his name. À tous ceux qui croient en son nom. He gave the right to become the children of God. Il nous a donné le pouvoir de devenir les enfants de Dieu. So what is the barrier between us now and receiving? Qu'est-ce qui est la barrière entre nous à le recevoir? It is the power of sin. C'est la puissance ou bien le pouvoir du péché. Sin is that element that causes man to drift away from God. Le péché est ce qui éloigne l'homme de Dieu. Searching for philosophies and idealisms to follow and despising the truth of God. Et chercher la philosophie ou bien les idéologies à suivre et ignorer la voix de Dieu. How do we break the power of sin? Comment est-ce que nous pouvons casser le pouvoir du péché? First, we accept that Jesus is the way. Premièrement, nous devons accepter que Jésus est le chemin, la vérité and the life. Et la vie. And receive him et le recevoir as Lord comme notre and Seigneur Savior et Sauveur over your life. Sur notre vie, de notre then vie. On your knees, et sur nos genoux. In deep repentance, dans une repentance profonde. Confess your sin. Et confesser nos péchés. 1 John chapter 1 verse 9. 1 Jean chapitre 1 verset 9. If we confess our sins, et si nous confessons nos péchés. He is faithful and just. Il est fidèle et juste. And will forgive us et our sin. Il nous pardonnera nos péchés. And purify us et nous purifier from all unrighteousness. De toute l'injustice. And purify us. Il va nous purifier from all unrighteousness. De toute injustice. The moment that takes place. Et au moment où ça prend ce huge chasm or that huge gulf between us and God is now breached and we can cross over to experience God's new life. Au moment où ça s'est passé. La limitation ou bien la barrière qui nous sépare de Dieu sera enlevée, sera déplacée et nous aurons l'accès à Dieu lui-même. It is a life that brings the peace that you've never known before. C'est la vie qui amène la paix que nous ne savons jamais. It is a peace that brings meaning to life. C'est la paix qui amène une connaissance à la vie. It is a peace that transforms the totality of your being. C'est la paix qui transforme la totalité de notre vie. Hallelujah. Hallelujah. So we have taken the first step. Donc nous avons vu le premier point. And when we know him, et si nous le connaissons, what happens? Qu'est-ce qui se passe? The love of God begins to grow from within us. L'amour de Dieu s'augmente ou bien croît en nous. We become interested in the things God is interested in. Et nous devenons très concernés à des choses que Dieu prend plaisir. Your desire for spiritual insight. Notre désir de la croissance spirituelle. And desire for godly wisdom. Et le désir de la sagesse de Dieu. Begins to grow. Commence par croire. It becomes suddenly like a moment of enlightenment. Ça devient soudain comme un moment de l'illumination, bien that de la when lumière. You look
back, you see that you've been very stupid all along. Et quand tu retournes, tu vas voir que tu étais tellement stupide dans le temps passé. There is nothing like knowing God. Il n'y a rien que connaître Dieu. It's a beautiful experience. C'est une expérience très jolie. The third thing that we must do. La troisième chose que nous devons faire. To begin to grow in this knowledge of that experience. Est de croître dans cette expérience de sagesse. Is that we now have someone we can totally rely upon and not upon ourselves. Et que nous avons quelqu'un en qui nous devons croire. Nous n'allons pas nous croire à nous-mêmes. We must begin to rely on God. On va commencer par se reposer sur lui. In time of trouble, we call upon him. Au moment des troubles, on l'appelle. In time of decision making, we consult him. Au moment de la décision, on l'appelle. His thoughts are higher than our thoughts. Ses pensées sont plus grandes que les siennes. His ways are higher than our ways. Ses voies sont plus grandes que les siennes. Call upon me. Et il nous a dit, and I will show you appelle-moi et je vais te montrer les choses, les grandioses choses que tu ne sais pas. God translates your life to that that is above the ordinary. Dieu transforme ta vie au niveau où c'est au-delà de l'ordinaire. God wants each one of us. Dieu veut que chacun de nous to realize reconnaisse that our inner power can be regenerated as we rely upon him. Que notre puissance interne peut être régénérée, transformée pour sa gloire. The fourth thing that we see here. La quatrième chose que nous voyons is that we must be word centered. Et nous devons être dans la parole, nous devons connaître sa parole. Many people read all kinds of mystical books today to find some kind of esoteric experiences that they may be able to overcome the conflicts that is within. Bien de gens lisent des livres inutiles ou bien des livres mystiques pour qu'ils puissent se souvenir à ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. But the word of God is all that you need. Mais la parole de Dieu est tout ce que nous avons besoin. The Holy Spirit will guide you through the word of God. L'Esprit Saint va te guider par la parole. And as we meditate on that word day and night, et comme nous méditons sur cette parole jour et nuit, we will be able to receive, nous serons capables de recevoir the wisdom of God, la sagesse de Dieu to guide us through life, pour nous guider dans la vie. Nothing else can help us, il n'y a rien d'autre qui peut nous aider like the word of God, que la parole de and Dieu. The fifth thing that will help us in knowing God and growing in that knowledge. Et la cinquième chose qui va nous aider à connaître Dieu en ce moment is that we learn to trust. Et nous God. Devons apprendre à croire en lui. Trusting God. Croire en Dieu is a very important thing. C'est très important in this life. Dans cette vie. What causes a lot of people to become hopeless? Qu'est-ce qui fait que les gens perdent leur croyance? It's lack of trust. C'est manque de la croyance. No matter how shaky your foundation is, n'importe comment votre fondation est ébranlée, your trust in God, ta croyance en Dieu, will lift you up, va te soulever, and give you victory, et va te donner la victoire. Praise the name of the Lord. Hallelujah. And the sixth thing that we see, la sixième chose que nous voyons, for those who want to know God, pour ceux qui veulent connaître Dieu, is that we must love God with all our heart. Et que nous devons aimer Dieu de tout nos cœurs. Love God with all of your heart. Aime Dieu de tout ton cœur. And the next thing we see is that we must obey God. Et nous, la prochaine chose que nous voyons que nous devons obéir Dieu. To obey God is to honor God. Obéir Dieu c'est de l'honorer. And when you obey God, et si tu l'obéis, it affects your entire action in life. Ça va toucher toutes tes actions dans your la vie. Your relationships, ta relation, your hobbies, et tes plaisirs, your thoughts. Tes pensées, he will transform you from inside out. Il va te transformer du
de dedans jusqu'en dehors. Because you no longer live by the instincts of your being. Parce que tu ne vis plus par les désirs de ton corps. But there's a higher power that leads you now. Mais il y avait une puissance très soulevée qui te guide. The power that set up the standard of the universe. La puissance qui a créé l'univers. And when he leads you. Et quand ça te guide, he leads you into the path of righteousness. Et ça te guide sur la part de la droiture. It transforms your human relationship. Transforme ta relation humaine. And the last thing we want to see here. Et la dernière chose que nous allons voir ici is in obeying God. En obéissant Dieu, we become blessed. On devient béni. So there is blessing. Il y a une bénédiction in obeying God. Dans l'obéissance de Dieu. Right now, maintenant, the whole world. Le monde entier is under stress. Est stressé. The pandemic is pounding everywhere. La pandémie pend toutes choses. Many don't know where to turn to. Les gens ne savent pas là où se tourner. But I want to announce to all you children of God who have anchored your faith in the Lord Jesus Christ. Mais je veux annoncer à vous tous, les fils de Dieu qui se sont donnés à la puissance de Jésus. That no matter what happens, que n'importe quoi qu'il en soit, Jehovah Rapha is by your side. Jehovah Rapha est avec nous. Even if you have been infected by this virus, même si tu as été touché par ce virus, as you listen to me this morning, au moment où tu m'écoutes ce matin, stretch your faith unto him. Il suffit de tendre ta foi. Our God is a healer. Notre Dieu est un guérisseur. He will heal you. Il va te guérir. He will restore you. Il va te restaurer. He will protect those of you. Il va te protéger tous. Who are right now at home. Vous tous qui êtes à la maison maintenant. He will keep you in your going out and in your coming. Il va vous garder dans vos sorties et votre arrivée. Blessing comes with obedience. La bénédiction vient par l'obéissance. Is the blessing God wants to pour out to the whole world. Et c'est la bénédiction que Dieu veut verser sur tout le monde. But the world thinks those who believe God now are stupid. Mais le monde pense que tous ceux qui croient en Dieu sont stupides. And you can see the display of that rascality. Et vous voyez ça partout. Because some are multi-billionaires today. Parce que certains sont des multimillionnaires. They want to play God. Ils veulent jouer Dieu. And they are working on vaccines that will reduce the population of humanity so they can raise a special race of people controlled like robots by their computer chips. Ils veulent créer un vaccin qui va réduire la population de l'humanité pour qu'ils puissent soulever les gens qu'ils peuvent contrôler par leur SIM. But I want to say to you today. Mais je veux te dire aujourd'hui. No man will have control over your life. Et personne n'aura contrôle sur ta vie. No man will have control over your destiny. Personne n'aura contrôle sur ton destin. No matter where you live. N'importe où tu es maintenant. Obedience to the word of God. L'obéissance à la parole de Dieu. Will lift you up. Va te soulever. And I pray today. Et je prie aujourd'hui. That the chain of darkness. Que la chaîne de l'obscurité over your life sur ta vie will be broken sera détruit in the name of Jesus au nom de Jésus. God wants us to come to him. Dieu veut que nous voyons in the nous venons chez lui of his word. Dans la connaissance de sa parole. In the knowledge of his word. Dans la connaissance de sa parole. He says to us in Psalm 103 verse 2. Il nous dit dans Psaume 103 verset 2. Praise the Lord my soul. Louez Dieu, mon âme. And forget not all his benefits. Et n'oublie pas ses bénéfices. Who forgives all your sins and heals all your diseases. Qui pardonne tous tes péchés et guérit toutes tes maladies. Who redeems your soul, your life from the pit and crowns you with love and compassion. Et qui sauve notre âme et nous crâne avec une compassion. Yeah, that's how beautiful our God is. C'est comme ça que Dieu est joli. And this morning as I round up, et ce matin en conclusion, I invite all of you to God. Je vous invite tous à Dieu. I invite you to God. Je vous invite à Dieu. You can know him.
Vous pouvez le connaître. You can experience him. Vous pouvez l'expérimenter. You can walk in the knowledge of his word. Vous pouvez marcher dans la connaissance de sa parole. He is the most potent force in the entire universe. Et c'est la puissance unique dans le monde entier. And he will guide you in the path of peace. Et il va te guider dans la droiture de la paix. Truth and righteousness. La vérité et la droiture. And at the end of this life. Et à la fin de cette vie. You will be with him. Tu seras avec lui. In all eternity. Dans toute l'éternité. The bad news though is. La mauvaise nouvelle est que. That all those who reject him. Ceux qui le rejettent. When they die. Quand ils meurent. They will go to hell. Ils iront dans l'enfer. That's not a popular message. Ce n'est pas un message populaire. But that is the end of all humanity. Mais c'est la fin de toute l'humanité. Who reject the knowledge qui of God. Rejette la connaissance de Dieu. So let's come. Back to him. Venons, retournons à lui. And bow our heads to worship him. Et baissons-nous pour l'adorer. Are you ready to know him? Est-ce que tu es prêt à le connaître? Bow down your heads wherever you may be. Donc baisse ta tête là où tu es. And let us pray. Et prions. Father, in the name of Jesus, Seigneur, au nom de Jésus, I pray for all those this morning. Je prie pour tous ceux ce matin. Who have heard your word? Qui ont écouté ta parole? That this day, O Lord, et que ce jour, ô Seigneur, they will open their hearts to you. Qu'ils ouvrent leur cœur à toi. Reveal yourself to them. Révèle-toi à eux. Confess your sins unto God. Et confesse tes péchés à Dieu. Say to him. Il faut lui dire. Lord Jesus. Seigneur Jésus. I open my heart. J'ouvre mon cœur. This morning. Ce matin. This afternoon. Cet après-midi. This evening. Ce soir. Wherever you are. N'importe où tu es. And I say, Lord, I receive you. Et je dis, Seigneur, je te Come reçois. Into my heart. Viens dans mon cœur. Give me the experience. Donne-moi l'expérience. Of the new birth. Avec de la nouvelle naissance. That from this very day. Que de ce moment. I will become. Que je sois a follower of God. Un suiveur du Seigneur. That I may know you. Pour que je puisse te connaître. And walk in the power of that knowledge. Et marcher dans la puissance de cette connaissance. Guided by your word. Guide-le par ta parole. Thank you, Father. Merci, Seigneur. In Jesus' name we pray. Au nom du Seigneur Jésus, nous avons prié. And this morning, once again, et ce matin, une fois encore, I'd like to pray for all our people. Nous voulons prier pour tout le monde. We want to pray for the nations. Nous voulons prier pour les nations. We want to pray for all the medical people who are helping to handle the situation. Nous voulons prier pour tous les équipes médicales qui aident les gens en ce temps-là. Be with us as we continue this prayer. Sois avec nous. Comme nous continuons. And thank you for listening. Merci d'avoir écouté. Hallelujah. We're going to take time to pray. And let sink deep as we reflect. Just lift up your voice wherever you are and begin to invite his presence. Begin to just call upon the name of the Lord in your own voice, in your own words, in your languages. Just call upon his name. The Bible says that they that call upon the name of the Lord shall be saved. There is salvation in his name. There is healing in his name. There is deliverance in his name. There is breakthrough in his name. There is power in his name. Power to save, power to heal, power to deliver. Just lift up your voice and call upon the name of this great God. His name is Jehovah. His name is Yahweh. He is lifted high above all the earth. Lift up the name of Jesus and call upon him. Ask him to come to your heart. Ask him to come to your rescue. Ask him to come. Ask him to come into the place where it hurts, where it pains, where it feels lonely. Ask him to come. If only you would open up your heart. If only you would open up your mouth and call upon that name. Call upon that name. Call upon that name. Miracles happen at the mention of the name of Jesus. Miracles happen. Chains are broken. You might be believing God for someone, for the salvation of a loved one, a family.
family member. Now is your moment. Now is your opportunity. You can call upon the name of the Lord on their behalf. You can call upon His name for your children. You can call upon His name for your grandchildren. You can call upon His name for your spouse. You can call upon His name for your siblings. You can call upon that name to break every chain, to break every yoke, to break the bondage of sin, to break the chains of depression, of this spirit. In the name of Jesus, Father, we call upon that name. We call upon that name. Oh, many homes are plagued with fear of uncertainty, fear of the unknown. But in your name, we decree and declare that the chains of fear is broken. The chains of fear is broken. The chains of fear is broken. Every limitation will break your hold, will break your grip over our families, over our households, over our lives. In the name of Jesus, we enthrone you as King over our hearts. We enthrone you as King over our homes. We enthrone you as King over our lives. In the name of Jesus, Lord, we lift your name high. Oh, somebody begin to lift the name of Jesus. He said in His word, if I be lifted up, I will draw all men unto me. Lift up the name of Jesus and pray that the knowledge of Jesus will spread and permeate over the earth, even as the waters cover the sea. Let the glory of the Lord be revealed from nation to nation, from continent to continent, from coast to coast, from high to low, from the ins to the outs, in the name of Jesus. Lord, we lift up your name on this place. We lift up your name in our homes. We lift up the banner. We raise the banner. We declare that Jesus is Lord over our lives. Jesus is the Lord over our homes. Jesus is the Lord over our nations. In the name of Jesus, Father, we honor you and we bless you. Let us take this time to take authority over the enemy. The Bible says, and behold, I give you power, I give you authority to tread upon serpents and scorpions and over all the powers of the enemy, and nothing will by any means hurt you. The Bible says that you have been seated together with Christ in heavenly places, far above principalities and power. There is a power that God has put on the inside of you. There is a power that God has put in His church. Now is not the time to keep quiet. Now is not the time to have a pity party. Now is not the time to indulge in self-pity. Now is not the time to give in to depression. Now is not the time for me to in the life, but now is the time for you to take responsibility for your life, for your family, for your home, for your children, for your environment, for your community, for your nation, and stand your ground and rebuke the enemy out of your house, out of your home, and decree and declare that the will of the enemy will not prevail. In the name of Jesus, in the name of Jesus, sickness will not come near your dwelling place. The pestilence that flies by day and by night will not come near your dwelling place, because you are rooted on the firm foundation, which is Christ Jesus. You are planted by the rivers of living water. You are fruitful in season and out of season. Make that declaration over your life. Make that declaration over your family, over your household, over your businesses, over your endeavors, in the name of Jesus. Begin to speak life. Begin to speak life. Don't let the enemy change your conversation. Don't let the enemy dictate the conversation. Don't let the enemy change your confession. But speak those things that be not as though they were. Speak those things and watch them come to life. Oh, I speak life into my body. I speak life into my situation. I speak life into my businesses. I speak life into my community. In the name of Jesus, Father, we honor you. Now is the time to be an intercessor. Now is the time to make intercession on behalf of the nations. Now is the time to take the initiative
initiative to intercede on behalf of the land. Let us pray right now that the power of darkness released upon our land will not prevail, but the effectual fervent prayer of the saints, of the righteous, the Bible says, has tremendous power and availeth much. Let us begin to take captives, thoughts and imaginations that try to exalt themselves against and above the knowledge of Christ. We bind and we destroy. We bind and we pull down imaginations. No enchantment against the people of God will prevail. In the name of Jesus, Father, we speak life into the atmosphere. We speak life into the airwaves. We speak life into our nation. Father, we honor you. Oh, glory to your name. The Bible enjoins us to pray and intercede for our leaders. Let us pray right now for our leaders, the leaders of our nations, the government. We may not agree with their policies, we may not agree with their affiliations and associations, but they are in the position, and God expects that we respect those positions. Let us pray that God will turn the hearts of the kings and the princes, the hearts of those in authority, in the direction of His will and His purpose, that God will cause our leaders to take the right decision, that God will furnish them with wisdom, with understanding, with a heart of compassion, a heart of flesh, that the heart of stone and insensitivity be removed from the heart. In the name of Jesus, we pray for our government. We call them back. We claim them back. Lord, we ask that you would furnish them with wisdom, with insight, with understanding. Lord, understanding of the times, that they would speak the right words, that they would communicate the right messages. In the name of Jesus, Father, we honor you. We bless your holy name. Let us pray for all our healthcare workers, all our frontliners who have put their lives on the line to help humanity. Let us pray for God's protection over them and pray that God's hand of protection will be over them. Pray that no evil will come near them. Pray that God will keep them from all evil in the name of Jesus. Father, we honor you. Glory to your name, God. Seigneur, continuons par prier. Nous allons prier ce matin, chacun de nous qui m'écoute à ce moment. Je demande que tout le monde soit, baisse sa tête et commence par prier. Louons le Seigneur, adorons-le. Il faut que nous le prions ce matin parce que c'est lui seul qui a la solution de ce problème dans ce monde. Nous allons prier, demander que sa main puissante soit sur notre vie. Que son esprit nous guide à marcher dans sa lumière. Que son esprit nous guide à avoir la foi qui est le don de l'esprit. Pour que notre foi soit tellement grande que ce matin, que nous ayons cette connaissance, cette compréhension de lui. Et que tout ce qui perturbe le monde ne nous touche. Au nom du Seigneur Jésus, nous prions que sa main puissante soit sur notre gouvernement, notre nation, notre pays. Que sa puissance guide le gouvernement. Pour que tout ce qui est caché au gouvernement soit révélé. Au nom du Seigneur Jésus, nous demandons que sa puissance soit sur le corps du Christ. Que nous ayons des témoignages tellement touchants à la fin de ce temps si misérable. Au nom du Seigneur Jésus, demandons sa miséricorde sur toute l'humanité. Que ceux qui sont déjà découragés de ce qui se passe, il y a certains qui sont en train d'être découragés du virus qui a fait tout le monde, que c'est comme s'il n'y a pas de solution. Que le Seigneur fortifie tout le monde au nom de Jésus. Nous prions pour les pasteurs, les missionnaires partout dans le monde. Que le Seigneur fortifie son corps. Que le Seigneur nous donne la puissance, le pouvoir de pouvoir proclamer sa puissance sur terre. Au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus, nous avons prié. Maintenant, nous prions, je prie au nom du Seigneur. Le Seigneur qui a créé le ciel et la terre, ce matin nous a dit que il y a de la bénédiction dans sa connaissance. Je prie par la puissance dans le nom de Jésus
Que cette connaissance nous arrive tout n'importe où nous sommes au nom de Jésus. Je demande que cette bénédiction nous dirige, nous touche et que son nom soit glorifié. Et que les gens en dehors voient et savent que vraiment nous avons un Seigneur. Vraiment nous servons un Dieu au nom du Seigneur Jésus. Je demande que tous ceux qui sont touchés par cette maladie soient guéris en ce moment par la puissance dans le nom de Jésus. Seigneur Tout-Puissant, nous te remercions parce que tu es Seigneur. Nous te demandons que tu nous guides, que tu nous donnes la connaissance de toi, que nous ayons la vie que tu as promis, que nous ayons la santé que tu as promis, que rien ne nous touche parce que nous sommes sous tes ailes. Au nom du Seigneur Jésus, merci de nous avoir écoutés. Garde-nous pour ta gloire. Au nom du Seigneur Jésus, nous avons prié. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. We're bringing today's telecast to a close. Nous amenons le culte d'aujourd'hui à la fin. And we trust you continue to bask in the joy of knowing the Lord until we meet you again this time next week. God bless you and have a wonderful day. Shall we share the grace together? May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be and abide with you now and evermore. Amen.